cette vidéo sur la valeur fixe de la propriété position. Dans cette vidéo, on va regarder en profondeur ce que fait la valeur fixe. Qu'est-ce que la valeur fixe fait quand on le donne à un élément HTML? Quel est le comportement d'un élément en position fixe? Allons-y dans le HTML. On va appliquer à un élément. Le démo HTML et CSS est déjà là. On va appliquer ces changements sur notre contenu de démo ici. J'ai utilisé le Live Server de Visual Studio. Vous pouvez aussi le télécharger. Live Server Preview. Ce que ça veut dire, c'est dès que je fais un changement dans le HTML, la page web serait mise à jour automatiquement sans que je n'enregistre, sans que je ne pas l'actualiser avec le Live Server. Autant pour moi, j'ai aussi coché le Autosave, ce qui fait en sorte que je n'ai pas besoin d'enregistrer à chaque fois que je fais un changement Autosave. Là, vous pouvez aussi le faire si vous êtes en train d'utiliser Visual Studio comme moi, Visual Studio Code. Ok, commençons. Il faut mettre un là. Commençons. Dans le CSS, on va donner position absolue à élément, pardon, position fixe à élément 3. Position fixe. Position fixe à élément 3. Quand on donne à un élément HTML la position fixe, première chose qui arrive, c'est cet élément-là sort Auth Document Flow. Dès que ça sort Auth Document Flow, ça prend référence sur l'élément HTML. Par contre, comme un élément en position absolu, un élément en position fixe, on ne peut pas changer son élément de référence. Et cet élément en position fixe va rester sur un endroit précis, sur le viewport. Quelle que soit la dimension du viewport, cet élément va s'adapter selon les dimensions qu'on l'a données et il reste fixe à une position qu'on le donne. Par exemple, je peux utiliser les offset position sur cet élément 3. Par exemple, je lui dis top, qu'il soit à top 0, comme c'est le cas de Facebook quand vous allez sur Logi. Quand vous ouvrez Facebook sur Logi, le menu de Facebook est fixe comme ça. Vous savez la position fixe qu'on le fait. Et je peux le placer sur n'importe quel endroit que j'aimerais que ça soit. Et ceci aussi est vrai pour la page. Je peux lui dire d'être aussi à left. Left, j'ai dit 40 pixels. Il se place à left, il laisse 40 pixels d'ici et il se place là. Par défaut, cet élément était centré parce que c'était là où son élément parent était par défaut. Il avait besoin d'un point de départ. C'est pour ça qu'il prenait encore cette marge de son élément parent. Mais quand on commence à utiliser les offset position, on peut placer cet élément à n'importe quel endroit sur notre écran et cet élément-là serait fixe. Même quand nous sommes en train de défiler, cet élément reste fixe à la position qu'on lui est donnée. C'est exactement ce que fait un élément en position relative, par exemple, position fixe. Il reste fixe à un endroit précis et on ne peut pas changer son élément de référence. Il va continuer à prendre référence sur l'élément HTML, sur l'élément HTML et il reste fixe sur un endroit précis sur le viewport. Si vous avez des questions concernant la propriété, la valeur fixe, position fixe, posez-les sur la partie de commentaires et je vais vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, il faut cliquer sur le bouton j'aime et partager aussi cette vidéo avec vos proches, ceux que vous pensez que le contenu de cette vidéo peut les aider aussi sur le développement web. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao.